Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 24 heures italien. Aïe, 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 tu participes. Non, lui, viens, lui, il participe pas, lui. Avec son vieux quinoa, son vieux, son savier tranche regardez, de dinde. Regardez, aïe, aïe, aïe. Moi, je m'habille en italien aujourd'hui, ok. On est des italiens, ok. Ouais, mais italien, comment tu t'habilles? Tu vas t'habiller en jupe? T'inquiète. À ce qui paraît, le matin, les italiens, ils mangent ça. À ce qui paraît, hein, à ce qui paraît. Et s'ils mangeaient pas ça? Ouais, d'ailleurs, avant d'ouvrir ce qu'il y a, dans les commentaires, mettez votre pays, le pays qui aura le plus de likes, on fera manger 24 heures de ce pays-là. Chine, oh, ça serait trop bon les Chinois. Ouais. On va manger des chauves-souris. Oh, je rigole, ça va, je rigole. Des sushis. Des sushis. Ouh. Ah non, on s'est trompé. Non. Si, non. Mais Smaï, je mange plus que toi. Je vais vous montrer. Moi, j'aime pas le chocolat noir. Eh ben, c'est pas grave, moi, j'aime bien, je vais te le prendre, t'inquiète pas. Regardez-moi ça, tiramisu. Waouh. Je vais t'en débarrasser tout de suite, mec. Allez, on peut goûter. Mais pourquoi tu me dis pas merci? Merci, c'est vrai, c'est un cadeau. On va prendre une cuillère où il y a. C'est ma mère qui l'a fait, hein, avec un peu moi, mais plus ma mère en vrai. Non, tu ne l'as pas trop fait. C'est très délicieuse. Vraiment, haja le top. C'est bon. La drogue. Vous avez vu comment je l'influence maintenant? Avant, elle mangeait comme ça. Depuis qu'elle est avec moi, elle tape des cuillères comme ça, frère. Les Italiens, ils mangent ça dès le matin. Pourquoi on n'est pas né italien? Pourquoi? Là, je serais comme ça, là, dites-vous. Alors, les gars, on se retrouve pour le petit déjeuner. Un petit tiramisu. Coco, macho, mi, chi, na, chi, na. Je t'ai fait une surprise, Younes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez Ramdan. Mister Bean. Viens, on va le faire, viens, on va le faire. Vas-y, on va le terminer. Un marchand de glace. Bonjour, monsieur, je voudrais une glace à la vanille, s'il vous plaît. Dans le coffre. Là, j'ai dans le coffre, ça va quoi? C'est quoi ce camion de braqueur, là? Il y a des glaces? Ouais, vas-y, va voir. C'est à ton pote? Hein? Non, c'est pour le boulot. Ah. Il a dit, va voir. Y'a quoi dans le coffre? C'est sûr, y'a un truc improbable. Là, y'a un humain séquestré. Et si tu peux ramener une équipe de foot ici? Ah. Regarde dans le sous-sol de la plaque. Wow. Bien. On va ouvrir le stade. Ça va ouvrir le stade là. Comment ça tennis? Je me suis mis en mode tennis le haut. Devinez mon haut. Un soutien-gorge. Ah oh, vas-y toi. C'est ça votre problème, c'est toujours dans la bulle. On joue à droite ou à gauche? À gauche. À droite, un peu lourd. À gauche, comme tu veux. À droite, ça soit aller. À droite, on va. Allez à droite. Ça va être incroyable les rails, 2 heures. La marque officielle du tennis c'est quoi? Wilkinson. J'ai vu des trucs de fou. Wilkinson, c'est les rasoirs ça. Ah ouais merde, c'est Dunlop. Mais non frère, wesh, le tennis. Wilson. Bon, on est fou là. Nouvelle balle. Incroyable. New ball please. Wesh, c'est une canette. C'est du coca ou des balles? Bon, en fait c'est compressé. Ça, les balles restent bien. Là, carrière, elles sont toutes neuves. Incroyable. Bon, on va filmer chacun un point. C'est parti, Ramdan. Oh là là, c'est mieux. Oh, tu l'as mélangé. Hein? Les échanges, merde. Il t'a mélangé. Toi, tu vas à la piscine ou tu joues au tennis? Hein? Tu vas à la piscine ou tu joues au tennis? Non, au tennis, je vais faire qu'un seul truc. C'est le service. Vas-y. Ouais, ou pas. Vas-y, fais montrer ton talent pour je voir. Je vais mettre une patate, vous allez péter votre crâne. Waouh. Mais c'est malin. Là-haut plutôt que de croquiller, frère. A few moments later. Les pâtes italiennes, Myriam, pour le midi, tu connais. Donc les pâtes ont été chauffées, j'ai choisi celle-là. C'est les meilleures. Eh, crois pas, vous regardez la vidéo, vous êtes dans la mafia italienne. Il n'y a pas de mafia italienne, ça n'existe pas. On va mettre la bonne crème fraîche et les champignons à l'intérieur. Ça va être incroyable, les amis.
au canaille. Les pieds dans les yeux. Voilà, une fois que tout ça c'est mis. Écoute bien, comme ça tu pourras la refaire à des gens. Ok, ils vont dire, ouais, elle a 7 ans, elle sait déjà faire des recettes. Une fois que c'est fini, tu vas m'incruster des morceaux de saumon. S'il te plaît, Myriam. Je te les mets tout de suite. Ouais, on va mettre plein de morceaux de saumon et on va rajouter quasiment tout le paquet de gruyère. Comme ça. Tout le paquet de gruyère. Et ça va fondre là pendant que c'est chaud et on se retrouve pour la dégustation, les frères. J'ai faim là! Pas de sang prête, les amis! C'est pourquoi je parle comme ça? Parce que les Italiens parlent comme ça. Donc pour toi, on va te prendre ta petite portion. Donne ton assiette. Parce que ça, je sais pas comment on sert avec ça. Oh, t'entends le bruit? What the fuck, man? Je te mets ça si t'en manges encore et ben je te rajoute, ok? Moi, par contre, je vous le dis tout de suite, ça va pas rigoler avec les portions. Tu peux me tenir mon assiette? Oh, le bruit, il est incroyable! Le bruit, il est dégueu! Non! Ah, je voulais faire un truc propre, toujours ça part en vrille avec nous, on est des vrais blédards. C'est tout, ouais. C'est quoi cette portion? Oh my god. Prends tout, prends du saumon, prends pas que des pâtes. Hein. Saumon, champignons, fromage, crème. Pas normal, pas champignons. Je parle même pas. Alors? C'est incroyable. Incroyable, les gars, c'est incroyable. Je suis trop fort en cuisine. Vraiment, j'ai besoin de personne. Ma mère m'a tout appris. Et YouTube, et Insta, et Twitter, et Snap, et tout ça. Mais s'il n'y aurait pas que ça, tu ne serais pas cuisiné? Non, mais c'est trop facile. Chauffer les pâtes, crème fraîche, fromage, champignons. Encore, c'est moi qui t'ai mis le saumon. Hein. Comment, c'est plus doux que une pâtisserie, mon pote. T'as vu comment ça glisse? Non, mais t'as vu comment ça glisse? T'es avec moi ou t'es contre moi? T'es avec moi, t'es dans mon équipe. Ah ok, j'avais un doute. Attention, la route. Regarde à droite et à gauche. Avant de regarde, tu vois, à gauche, il y a une voiture, laisse-la passer. Elle ne traverse jamais comme ça. Hein. On attend la commande avec Mimi. Elle est en train d'être préparée. Tu peux donner ton avis, c'est bon ou pas bon pour mettre une maîtrise. Alors, on a pris quoi comme commande? Attendez, je vais vous montrer sur la fiche. Je suis venu, je me suis trop. Dites, on a pris quoi comme commande? Déjà, sur la fiche, il y a plein de trucs. Nous, on a pris ça. Ouais, ça s'appelle comment? Margarita. Ouais, entrée. On a ça. Ouais. Ça, en gros, elle a rien retenu de la commande. Comment ne pas manger des pizzas, frère? On est des Italiens aujourd'hui. On a 3 pizzas. Légout, curry, boursin, margherita. C'est l'heure de la prière, donc on va attendre un petit peu que ça passe à l'heure. Ouais. Mais tu sais, quand c'est l'heure de la prière et c'est l'heure de manger, on fait quoi avant? On mange d'abord. Sinon, on va bâcler la prière. Pierre, feu, ciseaux. Je demande toujours pierre, feu, ciseaux, mais je perds tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Pour celui qui va choisir en premier. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Toujours je perds, ça. Contre une petite. Alors. Tu dois choisir au hasard une pizza que tu vas goûter. Alors. Ok. Tu peux déballer? Je peux déballer. Oh. Oh, mais que c'est beau! Quelle margherita, machallah. Oui. On va voir c'est quoi. La pizza curry, elle est atroce. Pizza curry, elle est atroce, les frères. Ah, mais toujours, moi, j'ai goûté toutes les pizzas. La boursin, magnifique. Mais vite, parce que là, j'ai envie de manger. Gdoula, hey, tu veux pas mettre de la sauce sucrée? C'est de la sauce sucrée, ça. Tu veux pas mettre sauce sucrée? Montre. Sucrée. Sauce. Tu veux? Vas-y, t'inquiète. Non. T'inquiète, ouais. Vas-y. Sauce. Pimenté. Oh, c'est lourd. Vas-y, moi, je vais tester la curry. Moi, la curry. Hey, les Italiens, vous êtes bien, vous avez des plats. Vous êtes hyper bien. T'as pas dit bismillah? Bismillah. What the fuck, comment c'est bon. Et hey, ils ont réussi à me faire aimer des poivrons. Ah, c'est chaud. Il y a des poivrons dans la pizza, les gars. Elle est hyper bonne. Elle est... Il y a bien du goût. Il avait raison, le mec à la pizza. Il y a du goût, vous allez voir. Ouais, alors, on va voir sur un mytho. Il y a des légumes dedans. Et elle était pas trop chaude. Elle m'a dit, il y a des légumes lyonnais, je suis pas trop chaud. Tiens, elle est pas chaude, celle-là. Goûte. Et dis-moi la vérité. La vraie vérité, ok? Si c'est pas bon, tu dis la vérité. Vas-y. Goûte. Arrête de faire ça dessus cinéma. Goûte. C'est trop bien. T'as vu? Incroyable. Il a réussi à me faire aimer les légumes. Allez, recopie ce que je dis. La boursin. Mmh. Les pizzas crème fraîche, c'est vraiment les meilleures. Oh là là, c'est... Elle est super bonne.
Mais je vous promets que la pizza aux légumes, elle est mille fois plus bonne. Tu tapes un croc. Tu me dis c'est quoi la meilleure entre celle-là et celle-là? T'as vu, je vous ai... Hey, elle est incroyable. On va voir si la Margherita va réussir à me faire oublier. Yacine, c'est pourtant mon pote. Non, non, non. C'est celle-là la meilleure. Je vous promets que c'est celle-là la meilleure. Maintenant, on va faire un dernier truc avant de vous laisser. On va mixer les deux plus bonnes pizzas. Et on va en faire une pizza côte familiale, mon pote. Mmh. Oh my god. Vous êtes prêts? Incroyable, Myriam. S'il te plaît. Goûte, s'il te plaît. Mmh. Tu vas péter mon roman, vraiment mon mien. Alors, c'est pas un bail de ouf? Elle est incroyable. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Nous, on s'est régalé. Mmh. Aujourd'hui, on est en Italie, on peut le dire. Dites-nous le prochain pays. Le pays qui aura le plus de likes en commentaire, on fait un 24 heures de ce pays-là.